Bon, salut à tous les gars, on se retrouve pour l'ouverture truite. Objectif, faire un poisson. Allez. Et pourquoi pas battre le record sauvage. J'arrive. Oh, une petite sauvage. Ah non, lâchée. Youpli. Non, non, c'est une lâchée. Bien joué. Check ça, frère. Oh, la première. Bah, dès qu'on commence à voir, c'est beaucoup plus... Ah ouais. Ouais, polo. Ouais. Ah pardon, je savais pas, désolé. Allez là, polo, allez là, polo. Nickel. Oh attention. Vas-y, nickel. Non. Voilà. La troisième fois c'est la bonne. Poisson, oh décro. Polo, prépare-toi. Polo, il y en a une juste contre le muret. Poisson. Nickel. Elle m'avait déjà attaqué une première fois. Nickel, impeccable. Quoi? Elle m'avait attaqué, elle était collée au muret, donc regarde bien, il y en a souvent collée au muret. Tu te mesures là, tu vois, et tu lances un petit peu en amont, collée au muret. Et ça paye.
Poisson. Polo. Quoi? Attends, hop, nickel. Impeccable. Je l'ai fait, elle était juste là, je l'ai même pas vue. J'ai fait dériver mon truc parce que tu vois, je me suis dit là-bas c'est une belle zone. Ça a suivi le courant solo et puis elle l'a pris, je l'ai vu, bam. Voilà, ça c'était les poissons de l'ouverture du 14 mars, donc la date vraiment de l'ouverture. Donc tous les poissons que vous avez vus, ils ont été prélevés, voilà, c'était des truites de lâcher. Donc du coup, on s'est fait plaisir, on les a prélevés. C'est le seul jour de l'année où on les prélève, donc on se fait plaisir. Et après on les laisse tranquilles tout le reste de l'année et c'est un no-kill. Voilà, et donc j'en ai fait une aussi l'après-midi, mais j'ai pas pu la filmer parce qu'il pleuvait. Mais après on a continué le week-end, donc le dimanche et le lundi. Puis voilà, j'ai réussi à encore faire quelques poissons, donc ça fait plaisir. Voilà, je vous laisse avec la suite des journées qui ont suivi l'ouverture. Allez, bonne vidéo les gars. Voilà, donc on commence avec le 15 mars, donc le dimanche 15 mars le matin. Je décide d'aller faire un tour sur un nouveau parcours de rivière, la même rivière mais un endroit différent. Et il se trouve que je ne tombe pas sur des truites mais plein de petits gardons. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Oh, poisson. Premier lancé les gars. Oh, c'est un petit gardon. Excellent. Bon, d'accord. Je visais les truites, mais bon, c'est un petit gardon qui vient. Voilà. Poisson. Oh, encore un gardon, c'est incroyable quand même. C'est incroyable. Bon bah, troisième gardon. Poisson. Oh, c'est encore un gardon, fait chier. C'est incroyable ça quand même. Encore un gardon sur le ver de terre. C'est vraiment actif ces petits gardons, ça c'est sûr. Putain, le mégot de cigarette. Ah là 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 là. Les jambes sont quand même sales. Putain. Bon allez. Le petit gardon. Hop, on va par là. Hop. Une petite prise d'un gardon. C'est pas du tout ce que j'ai recherché, mais bon. Et voilà. Il est bien froid de l'eau. On continue avec là cette fois l'après-midi qui a été passé sur une autre rivière. Voilà, c'était sympathique, ça a été sympathique. On a vu quelques truites et puis j'ai réussi à en faire une. Ça fait plaisir. Poisson. Oh yes. Là ça va être tendu là.
Allez, release. Et voilà, donc maintenant on va passer au dernier jour, donc le lundi 16 mars, le jour juste avant le confinement. J'avais pour objectif de faire de la sauvage, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo. Allez, bonne fin de vidéo les gars. Poisson. Oh c'est une... c'est quoi? Décroché, j'ai même pas le temps de voir c'était quoi. Ça c'était une toute petite truite, ça c'était une perche, mais je sais pas. Poisson. Oh décro. Oh putain, je viens de me faire attaquer. Ah bah oui, je l'ai vu, elle m'a coupé le verre en deux. J'ai mis un gros verre comme ça, je l'ai vu, elle a touché mon verre, j'ai senti la tape. Et elle a croqué mon verre. Ah, je l'ai vu direct. J'ai senti même dans la canne. Poisson! Polo! Poisson! Une petite sauvage, elle est magnifique! Je pense que c'est pas mal. Hop. Allez. Nickel. Elle est juste là. Elle est là. Allez hop. Vas-y ma belle. Ah nickel ça. Je savais quand même. Ça fait plaisir. Petite sauvage. Et voilà les gars, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Tous les commentaires sont bons à prendre tant qu'ils sont constructifs. Et puis, je vous retrouve bientôt. J'ai encore pas mal de vidéos de bar en réserve. Donc pendant le confinement, je vais pouvoir vous sortir pas mal de vidéos. Il n'y a aucun souci les gars. Allez, prenez soin de vous les gars et restez chez vous. Hein.